cinquième série, pardon. Oui, c'est le Mathieu Lapaille. D'accord. Allez, voilà, c'est parti pour Petr de Letzal, peut-être à l'intérieur. Le meilleur de part pour le pilote tchèque, attention derrière le... Doletzal qui remporte cette première série, le pilote de la République tchèque. Sans prier dans les extérieurs. Gabriel Mino là, qui m'a fait peur là, il a tapé le rail, puis là, Gonzalez maintenant qui se retrouve sur la menace du pilote tchèque là, Petr de Letzal qui est capable d'aller chercher la victoire dans cette manche qualificative, le pilote tchèque bloqué sur le rond du châssis Speaker Wonder. L'extérieur peut-être, attention le trou là-bas, ça va rouler pour l'instant pour la compresse. C'est bon pour moi Gonzalez face à Petr de Letzal et Mathieu Lapaille qui passe le drapeau de bien la troisième position. Bonjour. Une baguette, allez. Et très croissant. Allez. Et ben ça vous fait 4,80. Merci. Bonne journée, au revoir. Ciao. Le Fast and Speed, Juan José Moll sera là, l'Espagnol sur le speed car. Enzo Monet avec Kamika Stamberg. C'est parti avec un excellent départ de David Meyer, ouais. Valentin Comte pour virer peut-être à la deuxième place. Attention derrière avec un Juan José Moll, ça chauffe un petit peu, mais c'est passé pour Valentin Comte. La deuxième place, attention, Enzo Monet un petit peu chahuté derrière là. Le jeune pilote de Matour au milieu des cadors de ce championnat d'Europe. Le pilote
athlète français habitué du championnat d'Europe qui se qualifie pour la finale avec Marcelo Gallo, avec Petr Dolezal, avec Juan José Moll, mais aussi et surtout, s'il vous plaît. À se sortir de cette deuxième place pour l'instant, mais il est en train de faire Ivan Pilaticina, et bien le gros départ là, vraiment il a creusé un petit peu l'écart. Sur le châssis Windows en troisième position. Un demi-tour de circuit. Qui ont un tour de retard. La dernière courbe, voilà. Thank you.